Hello mes amis, je dis à ma voix pour une vidéo qui est si intéressante. Comme vous avez constaté, mise en place moi là, ou qu'a get en voie que moi pour aller faire lasagne. Ok, tout le monde connaît lasagne, c'est pas moi, j'ai haïtien, non mais haïtien, non mais manger lasagne, mais définitivement lasagne c'est manger italien. So, donc nous pour faire li, dans sens italien qui est très facile mais qui a vraiment goût et puis qui est vraiment intéressant. So, il va prendre un peu de temps, ok? Patient ensemble avec moi, non pas c'est Stéphanie, so, moi avoir pour une vidéo aujourd'hui, hein? C'est lasagne. On va commencer pour mon tour ingrédient. Moi acheter lasagne Shiitake qui c'est oven ready lasagne. So, m'a acheté deux boîtes, mais m'a utilisé une boîte avec quelques graines dans l'autre boîte, là, c'est sûr. Ok? Mais comment que libre allié? Voilà. Et ensuite, nous gagnons Prego sauce. Dans Prego sauce, il y a plusieurs Prego sauce. Moi-même, toujours utilisé roasted garlic and herb. Il vraiment gagne un goût qui est vraiment très bon. C'est le même que moi j'aime utiliser, mais on peut toujours utiliser l'autre. Nous avons l'autre fromage là qui est vraiment intéressant tout, les original ricotta cheese. Tant coup moi gagne l'autre, mais moi toujours utiliser ça qui est original là. OK, les ricotta cheese. So, soit là j'ai avec dairy, lait bah ça ou, pas mettre là-dedans. Nous gagnons oignons, nous gagnons piment, douce que nous les poivrons, nous gagnons vert avec rouge. Si vous avez l'autre couleur, qu'a toujours utiliser l'autre couleur. Et puis nous gagnons herbes, tant que qui c'est comme si persil. Et puis nous gagnons maggi, nous gagnons seasoning. Si vous pas manger maggi, il va nécessaire pour mettre. Nous gagnons oregano qui c'est une pièce qui est vraiment importante dans manger italien. C'est très difficile pour un italien faire manger pour pouvoir utiliser oregano ou bien tarragon. So, ça c'est oregano. OK, et puis nous gagnons garlic qui c'est l'ail. Oh, alright, so ça c'est ricotta cheese et puis ça c'est garlic et puis ça c'est persil et puis oregano, hein? OK. Nous gagnons persil, nous gagnons basil. Ensuite, nous gagnons œufs. OK, œufs c'est pour comme si moi mixer là avec ricotta cheese. Moi gagne deux mais m'a utilisé un seul. Ça c'est basil qui c'est basilic. OK, yeah, nous faisons manger en basilic, surtout dans ma marinara sauce petite. Goût. Et puis, ça, c'est l'autre seasoning PAM, ou même si vous avez l'autre type de base seasoning américain, vous voulez mettre, ou qu'à toujours choisir pour vous. Et puis, nous gagnons viande moulin, qui c'est ground beef. Nous gagnons lila. Et ensuite, nous gagnons mozzarella cheese. Non, cheese, ça, ou qu'à utiliser pour, tant qu'on peut utiliser cheddar cheese, ou bien l'autre cheese, mais mettez tout le dé ensemble. Ok, et puis, nous prenons mozzarella qui est low fat. Parce que moi-même dans le gym, à partir de j'ai gras là, mais still, je ne suis pas supposé manger lasagne du tout. Et puis, nous avons parmesan cheese. Ok? Et ensuite, nous avons bon épice, nous là, bon épice que j'ai fait l'autre jour, j'ai blendé. So, nous prenons et bien mariné, viande moulin avec épice, nous. Ok? Après ça, nous avons mis un petit vinaigre. Puis un petit citron, un petit acide, mettre un petit maggi, tout ça. Et puis nous avons tomato sauce qui c'est tomate et puis nous avons prego sauce. Ça veut dire que m'a utilisé tous les deux, m'a utilisé ni prego sauce ni tomato paste. OK? Tomato paste c'est pas tomate. OK, voilà. Quand nous ouvert four là, nous mettez chaudière nous chaud et puis quand nous mettez viande là. Chaud ça pas obligé chaud ou quand tu es épicé vient nous comme ça après ça ou on mettez là dans chaudière ensuite ou ouvert du feu en bas so vice versa ça li bon. OK, quand y a là moi fi mettre viande là moi ouvert li parce que pas veut li gagne big chunk là dans tant que gros boule. OK, quand y a moi ajouter épice moi. Voilà. Du coup, l'autre nation yo même c'est ouais qui normal yo pas gagne puis ça yo seulement envie de petit pou de bail, you know, petit pou d'oignon, petit pou d'ail, tout bail ça yo, ti yo mette ti sel avec girofle, that's it. Mais nous même en tant que haïtien et que moi mette plus moyen, moi ajoute ti l'huile et puis moi pas mettre en plus l'ail. Moi remet l'ail ça en pile la manger. OK, moi pas ajouter un petit cal là-dedans. Et puis nous pas bien mariner li là. Voilà, on a bien mariné pour toute bagarre rentrer dans l'autre. Après ça, nous pas quitter le cuit. Pendant l'ivoire cuit, nous prêt ou son jaison piment
Et de ce que je te montre, nous allons préparer, nous allons laver, nous allons préparer, nous allons faire prep, non. Pendant ça, lui-même, la cuite, de temps en temps, on a fait un petit coup d'œil, nous avons gardé pour ne pas brûler, pour ne pas faire big chunk. Après ça, on a focus là sur prep, non, là, pour nous préparer tout le paramètre là. On a les poussons, on a tout calé, on a rincé, on a map chapelé, on a coupé les oignons. Dis-moi que je fais une coupe des oignons, je vais couper le piment douce là. Et puis pendant qu'on fait ça, au besoin, tout à l'heure comme ça, nous allons ouvrir le four pour pouvoir commencer chaud. Nous allons faire la lasagne sous 350 degrés. La lasagne va prendre un peu de temps. Là, à peu près 30 minutes pour les vraiment bon, 30 à 45 minutes. So, on va voir. So, moi, coupe les oignons. Et puis après ça, nous allons couper herbes. Herbes, c'est basil avec parsley. OK, qui c'est comme si basilic avec persil. Nous allons couper. Voilà mes oignons. Moi, mes oignons là, m'a fait mise en place. Moi, et puis, quand je prends un seul grain de piment et un seul grain de poivron, je lave les. Après ça, je prends moitié là. Parce que je ne vais pas vraiment faire un paquet, un paquet, un paquet. C'est pour juste pour vous montrer. Voilà. Et puis nous retirer le piment, et puis nous retirer ça. Après ça, nous avons balayé, nous avons rincé bien rapide. Et puis nous avons retourné là encore, nous avons tranché li, après ça, nous avons coupé li. Et dans le culinaire, nous avons ça, bâtonnet. Le fin bâtonnet, nous avons bagaille, après ça, nous avons dice it. Ça m'a fait là, c'est dice. Ou fin fait bâtonnet style, après ça, ou fait dice. Il y a toute qualité dice, il y a 1 inch, il y a 1 quarter. Ok, ça va dépendre de comment on veut les dice. Est-ce qu'on veut le big dice, little, small, tout pareil ça. Yo. Ou bien gagner julienne quoi. Gagner julienne, gagner bâtonnet. Julienne, elle est fin, 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 fin. Elle est un style de bâtonnet, mais elle est vraiment fin, tout long. Ok, so. Et puis, quand on va faire la même chose pour l'autre poivron, ça qui c'est rouge, j'en souviens l'autre couleur, t'as couleur jaune, ou qu'a toujours ajouté. Ok, il n'est pas dérangé rien. Moi, retirer le cœur, quand on va le fond, laver tout petit encore. Et puis, quand on voilà, ma fait style et bâtonnet ou bien julienne. Ok, après ça, ma coupe les là, ma fait dice. Bien rapide, pas essayer de faire ça la carrière, si pas gagner good knife skill. Don't try this. Do not try this. Pas aller vite comme ça. OK? Là nous fini. OK, quand nous gagne zoyon, nous gagne piment douce nous qui prêt. Quand nous bra rincer et postlier et puis nous couper. Voilà. Second petit parti ouais ou pas aimer retirer li c'est juste un petit calo besoin pour bailler sauce là un petit goût ou ka mettre dans sauce là si ou gen pile ou ka quitter un peu pour mettre avec ricotta cheese là voilà et presque fini et moi c'est Stéphanie Menadi c'est pourquoi abonner à la chaîne là pas oublier faire ça quand y a nous pas couper bezo qui c'est basilic quand y a ça ouais forme ouais moi sur ou là lire les chiffonnettes. Le ou gen fey nan mon ou lil avan ou koupil li rele chiffoned. Voilà. Ok, kounya nou gen tout bagan nou sanse pre. Kounya mwen toune nan vyen nan ankor ka konstante vyen nan getan bien, bien kuit. Kounya sa mba fe mba komanse ajoute ingredient mwen. Lot ingredient mwen, ou te kou zonyon wan. Ok, nou mette zonyon wan. Et ensuite nou va mette poivron rouge là qui a avec verlan qui était mixé m'était mettre dans seul vaisseau et puis kounya ou mixer ensemble voilà vraiment vraiment facile OK et puis kounya nous va mettre herbes sur qui c'était basilic avec persil. Nous mettons ça à la pleve goût, la balion goût qui vraiment fraîche. Surtout le basilic là, comme si vraiment, vraiment vert. Franchement, il est vraiment balon goût élevé. Ça, c'est l'autre seasoning. Moi, j'ai mangé l'autre dans le cabinet. En tout cas, toujours utiliser pao. Ça, encore un seasoning. Donc, on va avoir parce que les cas difficiles pour jeune, ça m'a servi. Et pas comme si pas gagné, non, mais
ou pral oblige ap di mais oh Stéphanie ki salte encore ba ça juste utiliser comme si ça nan cabinet pour là ou pas comprendre c'est pas essayer on sorte de saison qui gen ti sel là dans ba ça fait ouais on pas mettre en pile sel parce que yo déjà gen sel quand y a me ouvert oven dans là moi comme moi se mettre oven dans chaud parce que presque fini parce que me gen tant gen sauce prend là qui censé bon l'homme fini là de l'autre côté me pral mettre de l'eau à commencer bouillir OK de l'eau pour lasagna OK ben pendant ce temps gros bagarre moi me mettre dans sauce moi voilà tomato paste. Gen moun ki seulement mette sos lan seulement prego sos lan ki pa yon problème mais l'on mette tomato paste lan li balon l'autre couleur li balon l'autre saveur li balon l'autre flavor like wow li vraiment essayer ça pour voir pour comment ça vraiment bon. Il senti bon monsieur met un petit acide là oh lolo ma chérie OK. Ouais comment il est bien belle là franchement bah regarde comment ça bien cuit pour y nous va vider sauce là. OK, roasted garlic and herbs. Ça veut dire que les gain garlic, les gain garlic qui passé sous du feu que au pile là-dedans, les fini les gain herbs tant que tarragon, oregano, parsley, cilantro like all those things like la bring another flavor, fresh one. OK, quand y a moi mettre sauce là et puis quand y a la boisse. Ouais, comment sauce là belle? Est-ce qu'on ouais on différence? Voilà, c'est excellent. Ouais là, moi-même, quand on a fait voilà mon grand goût, mon gars un petit sauce là après un peu dans viande ça là, moi j'appelle moi-même. On pas sous ça je dis là, ma belle c'est gérer quoi, you know, pas mal fort. Quand on prend pain là. Pas pas qui bon non là fait là pour prendre pain si vous voulez quand mettre un petit piment là-dedans même ou voilà on va goûter pas capable goûter petit bon pas capable goûter faut goûter on va faire manger pour pas goûter boire c'est ma sel hein voilà ouais c'est comme ça me déconne voilà les marqué sel faut toujours taste your food always tasting your food voilà on a mettre un petit sel là-dedans bon voilà il est parfait. Puis on va le virer de l'autre côté, on va le mettre de l'eau non bouillie et de l'eau. Voilà. Magique. Quand on a besoin de saisonner de l'eau, mettez sel, souvle mettre l'ail, vous mettez l'ail. Après ça, vous mettez ouais ça sont pour de l'ail. Si vous gagnez l'ail comme si the whole garlic cloves, vous ca mettez. OK, tant que l'ail qui tout entier. Hein? Ou bien qu'à mettre poudre là, mais mettre poudre là avec poudre d'oignon. Parce que vous pouvez retirer dans l'eau ou qu'à pas qu'à ouais, et ça fait mettre poudre là. Et puis, ça vraiment important pour mettre l'huile, surtout l'eau fait pasta ou bien n'importe quel pasta. Ok, faut mettre l'huile parce que l'huile empêche de coller à une lotte. Ok, très important, très important. Pas oublier de mettre enough l'huile dans l'eau. Quand il y a une sauce moins qui pourrait, une four moins qui a chaud. Et puis m'gen de l'eau m'kap bouille pour lasagne, et bien nous allons passer avec ricotta cheese. Là nous fini fait là parce que bah poko fin bon, nous va mettre cheese dans frigidaire. Et puis le tout baga fin bon, nous pral ouais ça nous va faire. Non, quelques minutes. Be patient, ti patience. OK, moi retirer tout ricotta cheese là ou on commencer par celle. Sou bra fè manje sa pa kite ricotta cheese an deyò trop. Se lò bra itilize li kom si pou an mete li deyò. Sa m sot mete la se te pomme jen cheese. Epi mwen ajoute ti seasoning mwen. Black pepper ki si pou de poiv, jirof, ba sa ou pou ka mete la tani. Pou ka mete ti bout l'ail. Le vegouan sa se dry. Parsley, c'est toujours persil, mais ça lui-même li son persil comme c'est qui sèche, qui tout vinaigre comme ça. OK, et puis nous va mettre oregano. Ou sauf regarder vidéo ou ka wè li en pile devant comme si c'est un paquet. Non, li très facile. Si vous regardez ou maîtrisez ou wè comme si c'était super cool, super easy. OK? Si pas rien, on mette la lasagne à bouillir ou fait ti sauce ou mette four en chaud, bah ça ou mixer ti four petit fromage ou avec ti herbes sur boum. Après ça nous va mettre les œufs là-dedans, yon grains de seulement, mais nous fini avec nous va mettre dans frigidaire.
Et puis, du moment que comme si nous filmions dans le frigidaire, nous allons checker sous de l'eau. Si de l'eau est à bouillir, nous allons uniquement mettre la lasagne là-dedans. Après ça, dans 10 minutes, la lasagne va être fin bouillie. Parce qu'on ne peut pas faire bouillir pour le pâte. Folie anti-jean, ou elle a mis dans le frigidaire. Je vais retourner sur lui après. Ouais, voilà, faut chaud. Voilà. Voilà, montre tout bagay. OK? Potence given dans là, ou ka enjoy this video, girl. Bring some good lasagna to your Thanksgiving dinner. Ou ya m'couvre sur ça fini, voilà. M'ferme du feu. Kounya, ou de l'eau a commencé à bailler vapeur, elle commence à bouillir. Parce que bon, j'ai des gens qui pas bouillir lasagna du tout, non? Qui a seulement bouillir de l'eau chaude. Et puis yo mette lasagne dans yon pan, yo vide de l'eau chaude sous li pour 10-15 minutes. Ça seulement yo pas mettre bouillir. Trust me. But ou ka fè ça tout même remè l'el bouillir til l'huile là la de tout bay ça. Après 10 minutes moi mette l'an passoir, après ça me vide de l'eau fraîche sous li pour me stop the cooking process. Ça son méthode qui vraiment bon, l'on fait pasta, l'on retire l pour pou vide de l'eau fraîche sous li sinon pasta l'ap still cooking. Lapsilap en map cuit. OK. Kounya nou kite la nan de l'eau pour 10 minutes. So moi mette en boîte. Après ça on prend deux graines dans l'autre boîte là, you know. Moi mette là dedans. Sou gen seulement une boîte, la more than enough, la suffit. On seul boîte lasagna, la suffit. La vraiment fait en pile. Ça va dépendre de qui size pan tu vas utiliser pour mettre en bas froid tout, très important. OK. Kounya là nous mettez li et puis nous quitter bouillir et puis dimanche que le film bouillir, nous pas quitter li bouillir pour craser non parce que faut l'antigen ferme. Même là li cuit faut l'antigen ka kembe koli. OK. Ouais doucement, gentiment. OK. Avec un bon petit gentillesse, un petit boisel tout petit. Et pas boire, c'est encore boire, c'est ma moulin, non? You know? Ou boire, pour comme si pour pas coller avec l'autre, si ça m'a pas fait. Ok, après 10 minutes, mais comment lier? Ouais. M'ka gardé, là, m'ka gardé la fourchette, là, comment la pied. Bon, licence est bon. Quand ça m'a pas fait, m'a prendre un passoir, et puis voilà, m'a vu des lits, là, donne m'a de l'eau chaude, et puis tout de suite, m'a couler de l'eau frette, là, sous lit. J'ai monté de là. Et puis, nous fini avec nous fini ouais j'aime ka kembel nan même ou besoin kembel blé ou kembel pour pas craser nan mon pour pas juste fan de morceaux nan mon. OK voilà m'ka fortement une purée li pa gagne. OK kounya nou gen pen nou la sou gen cooking spray yo spray comme si avant pour cook ou ka passer ou ka spray pen nan même pa gagne chaque temps gen pa ou kote mete yo. Et m'a passé ben an pen nan ki pa on problème, c'est toujours la même chose. Pa met an pil beurre parce qu'on pa rien pour lasagne cuit pour mon manger lasagne pour pa la plein l'huile k'ap koule. Oh nasty, ouais c'est l'huile là, seulement pa met an pil beurre. OK, pa met trop cheese, pa met trop beurre pour pa la pa met pa charge à l'huile. Non. Kounya ou besoin aller layer by layer. So, nan pen nan sa mette avant mette vienne nan et puis moi mette de lasagne shit. Ou ap fè kon sa. Ainsi de suite. Ouais, chaque fois ou fait mette on couche vienne, on couche lasagne, yon couche ricotta cheese, on couche sauce, on couche yon couche cheese encore. C'est comme ça ou ap build. C'est là que son cas ou tap construit, faire fondation, ou mette bloc, ou mette 10, ou mette date, you know. C'est comme ça. Jusqu'à ce que vous arrivez dans le niveau que ou te souhaite. Ou mette la, yon couche vienne. Par contre, le couche vienne qui en bas, parce que c'est bottom, non. C'est comme si c'est comme ça pour commencer. C'est premier, hein, nous mette en couche lasagna, après ça, nous mette en couche vienne, et puis nous mette en couche ricotta cheese, qui est important. Pour mettre dans la lasagna important. OK, so if you mettez vous collage les make sure que yo égal. OK, pas mettre un bord pour quitter l'autre bord, fait toute peine. Après ça nous mettez et fromage, l'autre fromage.
Right now, m'a mette mozzarella sou gen lot cheddar cheese. Ou le mette ou ka toujou fè sa. Kou yon, lè nou fini avèk premier layer, ou yon nou ajoute, on lot sos ankor. Ok? Avè sa nou pral aplati li, nan pral anje li, et puis nan pral remette lasagne chit lan ankor. Voilà, mwen jel, you know. Voilà. Excellent. You know, it's easy money. I'm making this for a birthday party for a little girl. She's five years old today. Li gen 5 ans. Okay, m'a fait ça pour m'pote nan fête là pour li. Ah, yo paye moi, il faut nous payer. Yo paye pour me faire ça. OK. Kenya m'a mité li bien rangé tant que ouais l'autre petit coin yo ou ka couper là avec ciseaux tant que soit pas ka fit ou pas ka bagarre ou ka couper la ciseaux, you know, pour ka bien rangé. C'est pas si ou pas ciseaux use couteau petit ou bien rache la mais pas compliquer les choses. Kenya moi mettez viande encore, mettez viande après ça nous va mettre cheese. La fille mettez cheese ça, nous va mettre l'autre cheese là et puis dans dernier layer so après ça nous café, après ça nous va mettre en bas foi. So m'a petit qu'on bagarre là. OK, je suis de retour. All right. So nous mettez comme ça. Nous mettez les Voilà. Bon, je suis content d'avoir pour vidéo ça. Si vous pouvez vous abonner à ma chaîne là, pas négliger faire ça. C'est Stéphanie Menadi Kitchen. Si vous regardez moi sur YouTube, ok, Stéphanie Menadi Kitchen. Si vous regardez moi sur Facebook, ok, à l'abonner avec YouTube channel moi, soit regardez moi sur YouTube, à l'abonner avec Facebook ma page moi qui c'est Stéphanie Menadi Kitchen, toujours même nom. OK. Quand là nous mettez sauce encore, nous mettez sauce et puis nous va mettre cheese, après ça on a fini avec lui. Et ensuite on va mettre l'en bas fou pour 30 à 45 minutes et puis 350 degrés. Pas oublier de partager vidéo, pas oublier commenter, dis-moi sur mes vidéos et puis vous voulez bah aux amis, bah en famille, chéri avec yon monde pas kembe pour compte. Quand y a mettre dernier partie là, moi mettre ricotta cheese sur tête li, après ça moi mettre tout fromage et puis nous va mettre cheddar cheese si pas ballon petit couleur jaune sur tête li. Même quand qui est seulement cheese blanc, but li vraiment belle au milieu avec jaune. Dans la dernière partie, il y a la lasagne en belle couleur. Ou pas quoi, ça m'a dit là. Il y a la tête en belle couleur. Parce que des fois, les gens qui ne connaissent pas, ils mettent le fromage blanc sur la tête seulement. Ils pensent que c'est cuit, la lasagne n'est pas cuite. You know. You know us. OK. Quand y a là, nous finissons là, nous bien rangés, nous mettons chez eux, nous ne mettons pas en bas foi. Bon. OK, il y a bas fond là, mais il commence à cuire, mais comment il est toujours et mais comment produit final là, il est vraiment bon. M'te content avoir pour vidéo ça. Bye bye.